Désormais, en restant dans le sujet de la race et de la couleur, et j'aimerais parler de cette couleur rouge parce que c'est mentionné très souvent. Il faut comprendre que il y a 3000 ou 4000 ans, les gens n'allaient pas simplement dans un magasin et disaient: "Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir de la peinture noire s'il vous plaît? Merci." Non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Ce qu'ils devaient faire, c'était d'utiliser la nature pour avoir des couleurs. Une des choses qui était abondante en Égypte, c'est l'ocre. Et c'est ce qu'ils utilisaient souvent pour la coloration. Donc je vais d'abord vous donner des références et ensuite des exemples concernant l'application. La vie et la mort en Égypte antique par Sigrid Odel Oenes, page 19. Le rouge était produit presque exclusivement à partir d'un oxyde de fer naturel abondant en Égypte. Le livre Egypt Revisited par Ivan von Sertima, page 53. Article de James Bronson intitulé Le mythe de la race rouge foncée. Le mythe des Égyptiens appartenant à la soi-disant race rouge foncée a été créé au début du XIXe siècle et il continue d'être perpétué par les académiciens comme les profanes. Cette proposition est principalement basée sur la couleur utilisée de manière générale pour représenter les Égyptiens anciens sur les peintures murales ou de papyrus et sur les statues. Mon opinion, exprimée de façon similaire par le défunt spécialiste sénégalais Cheikh Anta Diop, est qu'il n'existe pas de race rouge foncée. Cette teinte était en fait également utilisée dans un contexte symbolique. Désormais, regardez ces femmes noires de Namibie, et elles font partie de la tribu des Himba. Elles sont couvertes de rouge, et elle est couverte de rouge de la tête aux pieds, le corps tout entier. Vous avez aussi des choses similaires au Kenya, comme vous pouvez le voir ici. Et pour ceux qui pensent que c'est seulement les femmes, voici un homme. Donc vous pouvez avoir une idée. Dans quelques siècles, ils diront sûrement que non, ces gens en Namibie et au Kenya n'étaient pas noirs, ils faisaient partie de la race rouge foncé. Qui sait? Ils diront peut-être même qu'il s'agissait d'une population métissée.